Les astuces de stockage des aliments que le marchand de légumes ne vous dira jamais. 1. Vous ne pouvez pas finir toute la pastèque, qui peut facilement cultiver des bactéries à la surface. Placez 2 gousses d'ail, enveloppez-la dans du film alimentaire et mettez-la au réfrigérateur. Elle peut être conservée pendant une semaine. 2. Les tomates pourrissent facilement. Collez du ruban adhésif sur le derrière de la tomate, elle restera fraîche pendant 3 semaines. 3. Les bananes en surplus vont rapidement se gâter. Lavez d'abord la peau avec de l'eau pour éliminer l'accélérateur de mûrissement, puis essuyez l'humidité avec une serviette en papier. Enveloppez la base de la banane avec du film alimentaire pour réduire l'éthylène libéré par la banane elle-même. De cette façon, elle ne se gâtera pas pendant une quinzaine de jours. 4. Les oignons restants peuvent facilement moisir. Mettez les oignons dans des bas, puis suspendez-les un par un. Ils peuvent être stockés pendant longtemps de cette manière. 5. Les pommes de terre et les pommes sont de bons amis. Le gaz libéré par les pommes peut aider les pommes de terre à rester fraîches sans germer pendant une longue période. 6. L'ail stocké depuis longtemps peut facilement germer. Tout d'abord, ajoutez du sel, puis du thé. Fermez le sac et l'ail peut être conservé sans germer pendant un an. 7. Que faire si les fraises pourrissent facilement? Il suffit de verser du vinaigre dans l'eau et de faire tremper les fraises. Elles resteront fraîches quel que soit le moment où vous les consommerez. 8. Le pain peut facilement moisir. Mettez discrètement un morceau de céleri dans le sac et scellez-le. Il ne moisira pas facilement. 9. Les biscuits deviennent durs s'ils sont stockés pendant une longue période. Prenez une tranche de pain et mettez-la avec eux. Ils resteront tendres. 10. Le persil se gâte facilement dans le réfrigérateur. Préparez 2 verres, versez de l'eau propre et insérez tout le bouquet de persil. Il restera frais à tout moment et peut même servir de plante d'intérieur. Partagez ces astuces avec votre maman, elle sera très heureuse.